Pour l'avant-dernière visite du jeudi, organisée par l'Office de tourisme de Saint-Dizier, nous nous sommes rendus dans le quartier de Lanoue. Le faubourg de Lanoue, tel qu'il était appelé à l'origine, était un quartier presque exclusivement réservé aux bateliers. Les visiteurs ont été conduits en bord de Marne, où les anciens ouvriers du quartier construisaient les bateaux qui étaient ensuite destinés à la vente. Alors les visites du jeudi, on les a mises en place à l'office de tourisme il y a quelques années maintenant, tout simplement pour répondre à la demande d'une clientèle d'individuels, parce que nous avons toujours organisé des visites pour les groupes tout au long de l'année, mais il fallait mettre au moins 10 personnes, et c'est vrai qu'on avait des familles, des gens seuls ou des couples qui voulaient découvrir le patrimoine de Saint-Dizier. Donc on a décidé, pour répondre à cette demande, de mettre en place ces visites. Donc au départ, on a commencé que l'été, et ensuite, on a décidé de les proposer de février à octobre, chaque premier jeudi du mois, et tous les jeudis en juillet août, pour notamment répondre à la demande des touristes également, qui souhaitaient découvrir soit le chœur historique, soit le théâtre à l'italienne, qui est d'habitude fermé au public. L'église Saint-Martin de Lanoue est inscrite sur la liste des monuments historiques depuis le 7 décembre 1925. Les 5 chapelles de l'édifice font toute la beauté de ce site. Également Saint-Nicolas, qui date du 18e siècle, qui est placé. De magnifiques vitraux racontent des passages de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle des inscriptions obituaires, les obites, et ils datent pratiquement tous du 17e siècle. Que représentent ces inscriptions, ces obites? En fait, c'est la messe, les messes anniversaires des défunts. Et en général, elles ont été offertes par les familles des défunts ou alors carrément par les corporations. On retrouve des charpentiers, des mariniers, etc. Le quartier de Lanoue compte encore de nombreuses voyottes, petites ruelles dont le rôle était d'acheminer les vendangeurs, munis de leurs hottes, jusqu'aux vignes. La visite se termine avec la découverte du Petit Paris. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1984, la maison de Marcel Dièvre est une œuvre d'art naïf, ornée de morceaux d'assiettes et de faïences. Ancien magasin de son épouse, le décorateur a souhaité égayer la ville avec de vives couleurs. En cours de rénovation, pour cause d'un manque d'isolation, le bâtiment accueillera prochainement un café associatif. Alors des retours, oui, les gens en général apprécient ces visites, que ce soit des touristes qui sont de passage et qui passent devant le théâtre et qu'on puisse leur ouvrir et leur faire vraiment découvrir l'intérieur, ou des locaux comme aujourd'hui par exemple pour le quartier de Lanoue, on a des personnes qui vivent dans ce quartier et qui découvrent des anecdotes, c'est toujours intéressant de leur faire découvrir l'histoire et en général ils sont plutôt contents. La dernière visite du jeudi aura lieu le 5 octobre et concernera l'une des 3 scènes.